Et salut à tous! Alors avant que l'épisode commence, je tenais à vous présenter mes excuses sur les quelques problèmes de son qu'il y a eu sur les épisodes précédents, ainsi que pour cet épisode, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement et vous allez voir, il va manquer une heure de rush. Pour faire simple, j'ai conquis Rome et j'ai eu un petit problème avec la Confédération Celte. Voilà, je vous laisse sur cet épisode, encore une fois désolé, j'espère que ce dernier épisode vous plaira. Bon visionnage! Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes vers Saint-Gétorix. Alors, on s'était laissé sur le dernier épisode. Oui. On avait conquis l'ensemble des villes romaines. Alors, on avait été contraint de conquérir les territoires de la Confédération Celte. On a préparé le terrain contre les Sotiates qui ont tout simplement laissé, enfin, qui ont laissé la Confédération Celte passer par leur territoire pour aller prendre les nôtres. J'ai préparé le terrain aussi pour la conquête des territoires Mandubiens. Et là, dans 2 tours, je vais pouvoir commencer. Enfin, je vais pouvoir prendre Alésia, sauf s'il me le prend avant. Et surtout Ambatia. Ouais, d'accord, hein, j'ai rien avec eux. Hein. Ouais, j'ai rien avec eux. J'aimerais incorporer eux aussi. Mais ça risque d'être tendu. On va voir. La partie est bientôt finie, si je me trompe pas. Ah oui, il n'y a vraiment plus grand-chose. Là, ouais. Le temps que j'arrive, ils vont perdre leur cité. Ouais. Donc je vais faire autre chose. Je vais... Et je vais déployer mes unités autour des villes Suèves. À mon avis, c'est lui qui va me poser problème à terme. Vais plutôt me poser là. Ok, ici. Ici, au niveau de Novio du machin. Ici, là-bas, j'ai la vision. Et normalement, je risque. Ah ouais, non. Alors. Ah, ça aurait été bien. Non, non, pas du tout. Et elle est où leur capitale? Ah ouais, elle est loin. Burzis, ah ouais. Et ici, Treverorum. Ils ont pas trop de troupes, ça m'arrange. Hop, on va les mettre là. On va leur demander d'aller là. On va même leur demander d'avancer encore un peu. Non, ça changerait pas grand-chose. Je vais faire venir mes troupes. Ok, c'est par là. Et là, si je leur demande d'aller là. Ouais, c'est ça. Ça devrait être bon. Allez, aménageons nos provinces. Ah oui, c'est vrai que c'est minier ici. Hop là. C'est vrai que j'avais pas fait couler Rome encore. Hein. J'avais totalement zappé ce détail. Alors peut-être.
On va attendre un peu. On va attendre un peu. Soyons patients. Tour prochain, je peux encore recruter un. Je peux recruter un navire de mercenaires. Alors, est-ce qu'ils ont pris Alésia? Non, ils n'ont pas encore pris Alésia. Allez, on va aller chercher les monts du bien. J'ai pas besoin de les appeler à l'aide. Résolution équilibrée, ça passe parfaitement. J'occupe. Ça me permet de récupérer du verre. Je crois. Du verre fait à partir du sable. Un type de sable, si je ne me trompe pas, qu'on trouve dans les forêts. Hop, on va aller chercher celui-là. Il va fuir. Ah, c'est terrible, en plus il y a un petit village juste à côté. Je vais y aller d'ailleurs. Histoire de le défendre au cas où. Je vais aller à Lutetia. Défendre la ville également. Là il me faudrait une troupe ici. J'en ai pas en rab, non, ici elles sont occupées. Hop, toi tu vas aller là-bas. J'ai pas de troupes ici, non. Alors, ce que je voulais faire, ouais. Recruter deux navires mercenaires. On va attaquer, il va se barrer. Et normalement, je peux peut-être pouvoir le couler là, bonne fois pour toutes. Ce serait cool. Alors, je vais améliorer. Yes. Ah. Ça y est, la dernière flotte de Rome. Vous avez détruit cette faction, ils n'ont plus rivalisé avec votre puissance. Yes. Bien joué à toi. Bien joué à vous les gars. Ils ont réussi à couler les derniers navires de Rome. Très bon travail. Ah, c'est bizarre l'armorerie qui me rapporte moins. Ah, c'est peut-être à cause du de l'Imperium. Ouais. Ah non, même pas, ça porte pas de malus. C'est bizarre là. Pourquoi j'ai moins de revenus ici? Même beaucoup moins, 3000 en moins, c'est important quand même. Allez, ah oui, voilà, j'ai plein de d'unités en déplacement. Non, d'habitude je rechigne pas ce genre de truc, mais là non. L'exo vient. Comment ça, j'ai des bas quartiers ici? C'est quoi le délire? Je sais pas trop. Bon allez, on va le poursuivre. Ah, c'est l'automne. Pas agréable ça. Ouais, non. Ouais, plus de production. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai changé un type de production. Ah, changer un de mes bâtiments, ok. Non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Voilà. Jargovia, Pictavis, Genua. Ouh!
On s'est pas beaucoup occupé ici. Par contre, niveau bonheur, ordre public, je veux dire, c'est pas terrible, hein. Peut-être changer et faire un bastion du chef ici, hein. Est-ce qu'il a réussi à prendre la dernière cité, lui? Non, il a pas pris sa dernière cité. Bon, bah, allez, on va aller la chercher avec Vercingétorix. Vercingétorix va prendre Alésia. C'est pas mal. C'est marrant, dans les textes c'était l'inverse. On occupe, enfin, dans les textes, dans l'histoire qu'on connaît tous, c'est pas dans ce sens-là. Et on va prendre la ville. Ah ouais, bah ça fait de pied en fait, c'est pour ça. C'est quoi ce truc? Ferme bovine. Ferme bovine, oui. Ça, je m'en fiche. Et ça, je m'en fiche également. Ok. Il a quand même vachement d'armées, hein, le Suève. Oh la vache, le nombre de troupes qu'il a, c'est impressionnant. Je pense pas qu'elle soit aussi bonne que les miennes, mais bon, il me prend Condat, tu veux lui reprendre. Vibrac, t'es assiégé? Par quoi? Bon, ils sont mignons. Mince. Hop là. Qu'est-ce que tu crois assiéger, toi? Voilà, deviens mon esclave. C'est bien. On va reprendre Condat. Allez, à ciao. Ok, il a pas fait de mal à ma province. On va mettre une petite stimulation commerciale. Ok, on va repartir sur de la... l'amélioration des bâtiments. C'est vrai que la nourriture, j'en ai pas non plus à go. Hein. Polenta. Moi je connais la polenta. Oula, ça va, c'est le matin, c'est le matin. Hein, vous me pardonnerez. Vous me pardonnerez. On va dire ce jeu de mots. Mais c'est le matin, c'est difficile le matin, je pense. Je pense que vous l'avez bien compris, c'est... Ouh, c'est la fatigue. Qu'est-ce qu'il est arrivé, lui? Il est arrivé. Lui, il est sur place, lui. Bon, il a l'air d'être arrivé aussi. Lui, il n'est pas encore arrivé. Ouais, presque, allez, hop. Voilà. Et toi, t'y es arrivé. Ok. Borbanos. Ce qui fait que j'ai regagné un peu d'argent avec tout ça. Ouais, on va faire ça. Je voulais voir quelque chose. Est-ce que je m'entends mieux avec les carnutes, du coup? Oui, pourquoi? Je sais pas. Là, j'ai plus de thunes. Ouais, bon, on verra ça un peu plus tard.
Hop, c'est la dernière tentative des monts du bien. Il n'avait pas le choix que d'essayer. Et il n'y a plus de monts du bien. On va lui rendre visite. Il a construit un char. Magnifique. Hop. Toi, tu es une vraie brute, Vercingétorix. pourquoi j'ai pas la techno complète? Ah, j'ai pas ça, j'ai pas le saloir. Oh. Partir sur de l'industriel ici. Hein. Quand je vois mes bâtiments, oh, c'est clair. In Serbia, hop. C'est bien la culture dominante en Transalpine, en Insurbia, c'est la culture celte, ça c'est cool. Ok, j'ai pas l'air d'avoir assez de thunes pour le reste, ça me va. C'est vrai que j'ai ça aussi à faire. Eux, je peux les dissoudre. Une armée de mercenaires que j'avais laissée au cas où à cause des Romains. Ce qui fait que là je gagne beaucoup plus de partout. Ok, j'ai un espion qui arrive à travers Rome. L'autre qui arrive. L'autre qui fait je sais pas quoi lui. Pourquoi il se barre une fois au sud, une fois au nord? Ah, il y a peut-être le chemin qui le bloque. Alors. Ah, c'est l'hiver. Oui, il est suave, il est suave. Ok, lui il est arrivé. Lui, il était déjà arrivé. Toi, tu es arrivé. Je vais quand même vérifier que tout le monde est bien en train de faire ce qu'il faut. Parfait, tous mes agents sont au travail. Cupide, Cupide. Et beau parleur. Parfait. 48 000. Eh ben. Ah oui. Rasé ou mettez à sac. Ouais bah non mais c'est trop tard. Tout ça sert à rien. De la bouffe, de la bouffe et encore de la bouffe. Argergovia, ah, tiens. Ok. J'ai pas ma grande salle à Argergovia, c'est embêtant. Je la ferai plus tard. Parce que j'ai le bastion du roi suprême à faire. Moi. Ah. Ça m'intéresse plus trop, si de nourriture. Mais on va voir, je veux regarder si avec eux je peux déclarer la guerre ou pas. Un tour. Un petit tour restant. A été par rivalité celui. Ok. Druides. Brassiaca. Dans tous les cas, il me reste vraiment plus grand chose hein, pour la gagner. Narbonensis que je vais choper. Et Lutetia. Il me manque juste ça. Mais on va devenir copain avec eux petit à petit, je pense. Je sais même pas si. Ce n'est pas une offre qui se refuse, ça. Ah bah putain, apparemment si. Il y a quelques problèmes avec ma fiabilité, apparemment.
Cause énervien, des sénons. Ouais. Oh, il y a eu. On a un petit passé tumultueux, quoi, lui et moi. D'ailleurs, je vais rompre mes. Mon accord commercial et mon pacte de non-agression avec eux. Ils ont conquis la Gaule. J'aime pas. Ah zut, oh, ça c'est pas cool. Ah, Divonne et. Allez, bon bah c'est pas grave, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ça je m'en fiche. Ouais, bah laisse ma tête où elle est. T'en serais gré. Hop, on continue le siège. Là j'ai plus de trajet à faire, j'aurai plus de pertes. Ouais, c'est dommage, j'aurai un peu de pertes sur le trajet. Ici on occupe, ici même tarif. Prêt pour la bataille. Voilà, il lui reste plus que ça. Finaliser l'aménagement de tout ce bazar. On va faire ça, tiens, ça a changé. Ici, on va faire salle de réception et hôpital tribal. On a plus de nourriture. Ok, c'est bien ça. Ouais, effectivement. J'ai oublié lui. Je vais quand même changer. Je vais le remplacer, parce que ça fait un peu. Ça craint un peu, quoi. Puis je vais améliorer. Comment ça coûte? 16 000! Ouh la vache! Oh la vache. Eh bah c'est pas donné tout ça. Oh bah. C'est dingue ça dit, je l'ai pas du tout vu venir. J'ai vraiment quitté Alésia sans. Merde. Oui, bah oui, j'ai défendu et j'ai oublié de remettre les. Oh bon. Ce sont des choses qui arrivent. Pas trop mal les carnutiers. Ils viendront un peu plus copains avec moi. Je vais juste regarder moi au niveau de tout ça. Oh, ils ont bouffé les carnutes. Oh, les médiomatriques. Oh, les enfoirés. Bon. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser le plus? Ah, ça, c'est pas mal. Là, il passera pas. Là, les. Ah, putain, faut que j'aille à l'Exovien, mais. Je vais avoir des pertes là à cause de l'hiver si je fais ça. Oh. Pareil pour la route. Ah, c'est une route? Non, je vais peut-être pouvoir y aller à Alésia, dit. Oui, je vais pouvoir prendre la route d'Alésia. Alors, je vais pouvoir, mais on va quand même faire ça avant 15 000. Oh la vache.
Par contre, on est d'accord, hein. Pour ça, il a laissé Vezantio. Je voulais prendre Vezantio, elle est pas défendue. Ça, plus rentable. Allez, je rase la ville. J'en ai besoin pour... pour le succès, enfin pour le succès, pour... l'objectif, voilà. Par contre, Bibracte, il n'y a personne. Il n'y a bien pas un endroit d'où je peux envoyer. Si, je peux l'envoyer de là. Il faut que j'envoie du monde à Medlan aussi, parce que là, il peut passer. Ouais, là, faut que je repositionne la majorité de mes troupes. Ici, j'ai eu une perte. C'est guerrier fidèle. C'est mes meilleures unités, ça? Oui, c'est ça. Ce sont bien mes meilleures unités. Ah, ici, ils sont pas tombés. Je vais aller voir si je peux. Bon, ils vont se barrer. C'est un peu embêtant, mais bon. C'est l'hiver, j'ai un peu moins de revenus en hiver, forcément. Tout ce qui est agricole en hiver. Regardez, moins 30% de richesse provenant de l'agriculture. Peut-être qu'ici c'est moins. Ah non, c'est pareil. Il y a beau faire plus tempéré. Toujours le malus. Je me suis trompé ici, j'ai fait. Ah oui, je me suis trompé ici, c'est pas ça que je veux faire. Les carnutes, je m'entends très bien avec eux. Ou c'est toujours pas ça? Non, bah c'est toujours pas ça. Je leur proposais plus, c'est juste à l'instant. Ah mince! Ah bah c'était pas prévu. Bon bah c'est gagné. Ah j'ai oublié qu'alliance militaire ça comptait, je croyais que c'était que la Confédération, mais non non. Une alliance militaire suffit. Bon bah c'est gagné. J'ai aucune idée de quel épisode il s'agit. Mais il y a moyen que ça tombe un vendredi. Ou pas. Alors, voyons voir, faisons un petit récap. Déjà GG. Colonie possédée 36, capturée 42, perdu 15. Ah ouais, quand même. 341 bâtiments construits. Faction détruite 11. Putain. Revenu totaux. 3 millions 4. Revenu des taxes, revenu du commerce, revenu du pillage. Oh, quand même. Je crois que l'esclavage, ça compte comme pillage. Total d'unités recrutées, 527. Total d'unités terrestres recrutées, 480. Oh la vache. Unités détruites, 1443. Ah, j'en ai perdu quand même presque 300, hein. Captif de bataille réduit en esclavage, 6000. C'est pas si mal. Colonie pillée. Bah, j'ai bien pillé Gênes. De mémoire. Non? Non, je les mets à sac. Ah, ok. Je me disais. Et donc, on finit en...
En moins 52. Rapide. Ouais, plutôt rapide. Alors, combien de tours? 142e tour. Sachant que voilà, on a pris le temps, on a surtout résisté à Rome. C'est surtout ça le truc, on a bien résisté à Rome. Ça fait plaisir. En sens unique possédé, ouais, on a tour. Alors ça c'est pas bon, ça. Ça y a un maximum de guerre, non non non. Ça c'est pas bon. Mauvaise stat. Trop dans des raids. Ah, c'est vrai que je fais pas de raid. Ouais, je préfère les mettre en embuscade. À cause des saloperies de druides, diplomates, etc. Bon, en tout cas, j'espère que la série vous aura plu. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir après. Honnêtement. Non, je vois pas. Je vois pas du tout. Bah, ce sera la surprise. Peut-être. Là, ça me vient comme ça. Je sais pas si j'y penserai plus tard quand faudra tourner. Mais peut-être du Civilization 5 avec avec Venise. Juste pour chill. Parce que Venise, t'as besoin de t'occuper que ta capitale et le reste, c'est pas toi qui t'en occupe. Juste pour ça. Voilà, ce sera peut-être ça. Bon, ce sera la surprise, comme je vous disais. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'entièreté de cette campagne. Il est très possible que ça fasse l'objet d'un let's play narratif. Quoique, il y a quelques passages que j'aime pas trop, donc je vais y réfléchir. Voilà, je vais y réfléchir ouais, des passages que j'aime pas trop, c'est la fin. Parce qu'on démarre une guerre contre les Suèves, mais bon, il se passe pas grand-chose. J'aime beaucoup la manière dont ça se déroule avec Rome, les pertes qu'ils ont chez eux, etc. Ouais, le passage difficile, ça a été au niveau des Mondes du Bien et des Namnettes. Avec l'Armorique. Et les Vénètes aussi, hein, avec toutes les troupes en Bretagne. C'était pas fou, ça a beaucoup traîné. À voir. Allez, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, merci d'avoir suivi. C'était Tchob. Ciao.